Salut à tous, c'est Llokendil, on se retrouve pour ce 26e épisode de ma série sur Chrono Trigger et on commence directement pour enlever le suspense qu'il y avait parce que dernier épisode épique au dernier épisode c'était pas terrible que ah non, j'ai enlevé l'objet tiens que j'avais mis. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ça? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je lui mets? Allez, on va lui mettre le clou. Ah, et là, elle a déjà 800 points de vie. Et ben. 146, 149, oh, pas grave. Ouais. On va faire ça comme ça. Et on entre. Ou pas. Garde laser. Hein? Il se tire dessus en plus. Oh non, s'ils explosent tous quand ils meurent, ça peut pas le faire. Je crois que Frog... Attends, ils avaient fait combien? Ouais. Oh la vache. Ouais. En plus, on dirait qu'il meurt même pas. Bah, Frog, tant pis. Hein. Mince. J'espère qu'il n'y en a pas tout le temps, des trucs comme ça. C'est horrible. Au final, ils sont morts. Alors, un peu de points d'expérience. On va quand même soigner Frog. Hein. Voilà. 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 Ça c'est fait. Ah Ténèbres, sinon combien? 316, oh on a le temps quand même. 51 pour triple coup. Ah, ce sera peut-être pour cet épisode, dis donc. Alors. Oh. Tiens. Fou que vous êtes, n'avez-vous pas appris la leçon? Nous sommes immortels, nous vivrons pour toujours avec Lavos qui dévore notre planète même lorsqu'il dort. En drainant le pouvoir de la planète, Lavos dirigera le monde dans seulement 14 000 ans. Le présage noir est un passage qui mène à Lavos. C'est un lieu qui nous fournit un pouvoir sans limite, aussi longtemps que le puissant règne. Vos rêves... Attends, que le puissant, ça doit être Lavos, je suppose. Vos rêves sont sans espoir. Vous devriez vous sacrifier au puissant Lavos. Ah ah ah. Les invocations, c'est de la merde. Oh, viens de battre toi-même. On va taper. Oh, déjà. Déjà, il y a deux phases. Oh merde. Oh l'enfoiré, il joue sur les statues. Je déteste ça. Déjà, on va tous les soigner. C'est mal parti, hein. Cécité, tu vois. Même pas. Oh putain. Pardon pour ce gros mot.
c'est quoi ce boss de psychopathe, quoi? Attends, c'est seulement l'autre qui pouvait ne plus être fou. Zone chaotique. Putain. Et punaise, mais qu'est-ce que tu veux que je foute, quoi? Ah, il fait chaud, je suis pas de bonne humeur là. Putain. Alors. Bon, bah, le phénix, hein, bien sûr. Même pas. Ok, on va profiter. Merde. Ouais, on va faire ça. Voilà, je me sens mieux comme ça. On va refaire Codino parce que c'est plutôt efficace quand même. Hein. Si seulement il y avait Chrono. Oh non, ça marche plus. Merde. Alors, est-ce que la magie... Ouais. Je dirais qu'il faut alterner, quelque chose comme ça. Faut de la mana. Ah putain. Il est dur. Il est pas évident, hein. En même temps. Ça serait trop simple s'ils étaient trop simples. Ce qui est complètement logique. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait deux cœurs. Enfin bon, c'est peut-être moi, hein. Vengeance. Oh, nickel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça aussi. Alors. On va faire un coup bulle, tiens. Ah non, c'est pas ça. Explosion. En fait, Magus, il est plus fort en magie. Et voilà, on a triomphé. Et bah dis donc. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça, hein. Ça va pas le faire sinon. On se remet full. Il y a peut-être une tente juste à côté, hein. Enfin, un point de sauvegarde plutôt. Mais je préfère assurer le coup. Hein. Oh là, ça pue ça. En tout cas, on se croirait à moitié dans l'étoile noire. Ça fait bizarre. Bon,
Mais je ne peux pas y échapper. Dans l'autre. La feinte. Ok, donc... Oh, l'enflure. Ok. Donc faut attendre qu'il s'ouvre. Peut-être de la magie pour celui-là. Oh! T'es mort. Qu'est-ce que t'as cru, hein? Non mais oh. Et voilà. Merde, j'ai pas vu double coup quoi. D'accord. Triple coup. Attaque avec triple coup. D'accord. Mais je crois que du coup... Ils ont le même nombre de points de magie, eux deux. Je pense plutôt que... Je vais faire ça. Non. Sur Ayla. Je vais lui mettre le clou d'oreille, parce que c'est celle qui tape le plus fort. Là, on croit vraiment l'étoile noire. Hein. Non, j'ai pas envie de me friter avec ça. Oh! Ça me fait penser à... Oh, si seulement j'avais le nom. Alors, triple coup. Pas mal. J'aime bien. Merde. Bon. D'accord. C'est quoi ces monstres là? Ça va pas le faire, hein, ils sont balèzes. Bah au revoir Magus. Hein. Même pas. Cette fois, tu fais du feu. J'ai pas envie qu'il se soigne avec la foudre ou quoi. Et s'il se soigne aussi, bah, ça veut dire qu'ils absorbent la magie. Au moins, je le saurais. Hein. Ah, c'est mieux quand même. Neuf. Dégâts de merde. 8. Tiens, ça t'apprendra. Ah, ça c'est cool qu'il l'ait loupé. C'est bien qu'il y ait au moins, un personnage qui résiste comme ça. Plus ou moins. Enfin, qui résiste au, changement d'état. Bon, on va tenter ça. Hein. Est-ce que ça va suffire pour pencher au moins un? J'espère. Ouais. Donc, bah, Frog va finir l'autre.
Adieu. Même pas mort. Heureusement que j'ai demandé à Magus de le finir. Bon, 1700 points d'expérience, 30 points de technique, 1600 d'argent, un élixir, un fragment de niveau. Dis donc, ça se corse tout ça, la vache. Non, j'ai vu qu'il y avait un point de sauvegarde. J'espère juste. Oh non! Je fais pas qu'il y ait de mobs. Espèce d'enfoiré. J'espère qu'ils vont pas me buter quelqu'un. Frog. Tu es pas Frog. Saloperie. Qu'est-ce que je fais? Sérieusement? Oh non! Hey, c'est chaud la vache! Pas Frog. Putain! Oh non, ils ont tué Ayla. Qu'est-ce que tu foutes? Faut que je la joue aux élixirs, quoi, c'est abusé. J'aurais dû me soigner. J'aurais vraiment dû me soigner. Ça va, il a résisté. Oh bah forcément. C'est un champion Magus, là il résiste bien. Donc, aile de phénix et élixir sur. Voilà. Oh putain. Sérieusement? Vous avez vu les points de vie d'Aïla déjà? Je vais pas mourir comme ça. Et ils attaquent alors que je suis en train de choisir. Arrête du temps, bah bien sûr. Manquait plus que ça. Pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Juste des soins, quoi. Je m'en fous. Je vous retrouve tout de suite après. Bon, c'est le moment d'y aller maintenant. Je vérifie quand même, mais j'ai soigné tout le monde. J'ai torché le boss, hein. En 5 minutes, c'était plié. Et maintenant, je suis de mauvaise humeur. Foutu monstre. Je vais tout envoyer là, c'est mort. Ils vont prendre cher. J'ai pas fait de sauvegarde rapide. C'est un peu de la triche. Alors. Vous aimez pas, hein? Ah, j'ai fait 1400 et quelques tout à l'heure avec. Ok. Avec grenouille. Bah, bien sûr. Vous croyez que ça va me faire peur, votre compte à rebours, là? Franchement. Franchement! Non. Même pas. Même pas la moindre petite peur. Ridicule. Bah alors, on fait moins les fiers, hein. Tout de suite. Hyper éther. Je connaissais pas ça. Oh, je suis content. Voilà. Alors, hyper éther, ça fait quoi? Restore PM.
Ah d'accord, un seul personne. Ok. Allez, c'est parti. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais me battre contre des panneaux. Vas-y, celui-là. Tant pis pour lui. Ah oui, je suis de mauvaise humeur, hein. Je l'ai dit là. C'est... Ils sont vraiment balèzes les monstres ici. Même pas mal. Voilà, ça c'est fait. M'aguse-moi de niveau. Ah, et là aussi. On va profiter. Hein. J'ai acheté du soin, c'est pas pour rien. Hop. Voilà. Allez. Eux, ils me font pas peur. Par contre, ouais, si quelqu'un se fait taper, non, bon, j'ai oublié qu'il pouvait soigner tout le monde tout seul. Mais complètement. Ouais, ça fait un peu comme à la piste, quoi. Et coup final. Par contre, là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Non. Voilà. Non, éther. Voilà. Encore des mobs. Tiens. Un chien à bois. Merde. Oh, fais chier. Je peux pas utiliser mes techniques en fait. Ni les objets. Merde! Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça, genre? Ça. Ok. Oh, Frog, franchement. Bon, ça va. J'ai eu peur du game over, là, franchement. Je fais pas demi-tour là. J'ai un point de sauvegarde avant, mais. Voilà. Technique et objet inutilisable. Donc faut taper le gros. Comme ça les deux s'enfuient. Non, même pas. Possible de louper un truc comme ça, quoi. Oh, regardez où vous tapez, quoi. Allez. Il n'a pas subi de dégâts en avance. C'est un peu facile comme technique, quand même, hein, de... Objet, technique inutilisable.
un truc du petit joueur, ça. Là, j'appuie sur mon bouton B. C'est pour ça que ça fait du bruit. Je vais peut-être arrêter, ça doit être chiant à entendre. Allez. Oh, pas possible. Manque de bras cassés. Heureusement que Chrono y revienne. Hein. Non, c'est rien. Tiens donc, les retrouvailles. Oh, bien sûr. Ils se soignent alors qu'ils se sont même pas fait taper, quoi. Bordel de... Pas possible, ça, dis donc. En fait, faut être vraiment bourrin ici. Ouais. Sinon, on s'en sort pas. Il faut qu'on y ait. Comme je faisais sur le boss, en fait, tout à l'heure, bon, vous avez pas vu, mais en gros, il y avait. Moi, j'ai mis à Magus le. C'est ce qui empêche de se faire attaquer en fait. Enfin, ce qui empêche d'avoir le statut changé. J'ai oublié le nom déjà. Et donc, du coup, je le faisais attaquer en boucle avec glace. Allez, s'il vous plaît. Oh. Peut-être que Grenouille va marcher maintenant. Parce que je crois que c'est en fonction du pourcentage de points de vie. On va bien voir. Bon. Bon. Ah ouais. Vengez-vous, c'est ça, ouais. Vous êtes mort, hein, je suis désolé, mais... Voilà, ça c'est fait. Fragment de niveau. Tu m'étonnes vu que l'XP qu'on gagne ici. En fait, c'est vachement pratique ça. Pour 2 points de magie, oh, c'est carrément plus rentable, ouais. Eh bien, on va se quitter là pour cet épisode. Oui, je sais, c'est méchant, mais je suis en colère un petit peu et j'ai chaud, c'est un truc de dingue. J'espère que cet épisode... On finit avec un joli bafouillage. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ici le prochain, portez-vous bien.
Il n'y a pas un coffre par là, par hasard. Bon, bah, à la prochaine et salut!